Hello, alors qu'est-ce que je raconte de beau? Je raconte que je fais un peu des lives sur Twitch de temps en temps en ce moment, parce que j'ai pas vraiment le temps de préparer quoi que ce soit non plus. Enfin, tu me diras, mes vidéos n'étaient pas généralement très préparées, celle-là on est la preuve, hein, on voit déjà que c'est pas préparé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu que je travaille pas mal sur des projets perso, en plus de ce que je travaille la journée. Voilà, je me dis, ça peut être fun de partager ce moment-là avec vous. En plus, j'ai l'appart pour moi tout seul en ce moment, donc je ne ferai chier personne, donc c'est parfait. Et du coup, là, si ça vous intéresse de passer le soir, de temps en temps, voir ce qui se passe sur ma chaîne Twitch, bah, venez. Généralement, je vais parler de ce que je suis en train de coder, ou de programmation en général, ou répondre à des questions. Si vous avez aussi des questions sur du code précis, vous voulez faire des code reviews ou des conneries comme ça sera avec plaisir. C'est vraiment le but, c'est de discuter de programmation, peut-être venir choper un ou deux tricks en JavaScript ou pas. Et puis voilà, juste pour le fun. J'essaierai peut-être de. Dans les prochains jours, qu'est-ce que j'ai prévu d'éventuellement coder? Alors là, je suis en train de finir. Enfin, je suis en train de finir. Je travaille sur un outil de gestion de couettes. Voilà, parce que voilà, je travaille avec une personne qui fabrique des vêtements, notamment cette magnifique chemise. Et voilà, le croyez-le ou non, cette chemise a été conçue à partir d'une housse de couette. Voilà, donc c'est une chemise Dora. J'espère que ça a fait le focus. Je suis pas sûr. Bref, mais voilà, c'est quand même assez magnifique. C'est quand même des beaux vêtements. Hein, donc, des beaux vêtements qui méritent un beau site internet. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc en gros, l'idée c'est on met des housses de couette. Un catalogue de housses de couette. Tu choisis tes housses de couette. Elles sont ensuite converties dans le vêtement de tes rêves. Voilà, moi j'ai vu cette housse de couette Dora l'exploratrice, je me suis dit ça, chemise hawaïenne. Obligé. Tout de suite. Je l'ai tout de suite su. J'ai vu, ce tissu m'a parlé. Il y a eu comme un échange. Je me suis dit je veux porter cette housse de couette en tant qu'une chemise hawaïenne. Et mon désir fut une réalité. Voilà, donc on voit des petits détails comme l'utilisation du tissu, de parties vertes du tissu pour faire le col. Bon voilà, c'est bien fait quoi. Du coup, l'idée c'est de faire ce site-là pour le moment. Donc, j'en suis pour le moment sur la partie administration qui est la gestion d'upload de housses de couette, que j'ai appelé le Couette Manager 2000. Après ça, bon, je vais bosser sûrement sur un bot pour justement faire des notifications pour le stream. Ça, c'est méta. On fait du code pour le stream en stream. Voilà, bon, voilà, c'est des choses que je pense qui peuvent. Ça résonne, hein, dans le cœur du développeur, ça, tout ce qui est méta. Donc voilà, quoi d'autre de prévu? Bah après, je bosse aussi hein, avec la Côte d'Ivoire sur le site de l'école. Donc je vais avoir pas mal de reviews de code de développeurs ivoiriens à faire sur du React, je pense. Donc ça va être intéressant si vous travaillez en React, avoir des retours sur des choses à ne pas faire et pourquoi les faire, je pense. Et puis si vous avez des choses à me lancer dans les temps que j'attaque votre code sauvagement, bah, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc, see you around on Twitch le soir pendant les prochaines semaines. Je sais, pense pas que ça durera beaucoup plus longtemps que ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire. À partir du moment où ma vie sociale reprendra un peu, je pense que ma vie en live risque de diminuer. On verra comment ça se passe. Hein? Si vous êtes 30 000, bon, bah, je devrais réfléchir. Je sais pas vous d'où vous sortirez. Mais voilà, allez, ciao.